Mesdames et messieurs, le comité organisateur des Jeux olympiques de Vancouver 2010 vous souhaite la bienvenue à Cypress Mountain pour la compétition de slalom parallèle des hommes. Et là, on va se passer, s'il vous plaît, on se passe le mot, on va faire comme s'il faisait soleil, évidemment, c'est des conditions pas évidentes, mais là, je vois juste des sourires dehors. Merci d'être là avec nous, ça fait vraiment bien d'être là, d'encourager nos athlètes, on l'apprécie grandement. Welcome Cypress Mountain to the Vancouver 2010 Olympic Winter Games Men's Parallel Triathlon. Here for the gold, silver, and bronze event. Cannot wait to get things underway as we are about to begin the qualification run to determine who's coming into the final medal round. Pas besoin de regarder vraiment les gars pour savoir ce qu'il fait dehors. On a établi aussi 100% d'humidité. Les conditions du public, évidemment, vous savez ça depuis hier. On a eu les femmes dans le salon géant parallèle. On a eu Jasey jusqu'à la toute fin. Alors, on va s'attendre à quelque chose de semblable, si ce n'est pas mieux pour aujourd'hui, la finale qui va être à 1h30. Donc, on va être très bientôt. Je vois l'horloge presque 10h. Alors, soyez prêts, ça s'en vient. For the weather outside, it's fairly obvious. Again, it's one of those days you just need to stick your finger out the window a bit. But it is a little bit foggier as we gain elevation up toward the start house. This course today is basically 22 gates out there. There's two delay turns, and that's going to be an extended round. But you can see a delay gate just on the top of the knoll from where you're sitting. And the racers at the top are staged and ready. And we can't wait to get started. Again, the start is about 3,000 feet plus up there at the top, 1,100 meters, and the vertical drop about 500 feet and 161 meters. So 23 gates out there. Mark Fawcett sets the course, and he's the Canadian snowboard team coach and a legend in snowboard himself. So this is going to be a barn burner. Alors, un bon parcours ici qui a été conçu par Mark Fawcett. C'est 530 mètres de dénivellation et 23 portes à passer, évidemment. Les athlètes ne vont pas en manquer une, c'est très, très important. On est en préparation et à l'écran, si vous suivez avec moi, donc, on a 30 athlètes qui vont prendre place avec nous dans quelques instants. Et on va débuter ça, entre autres, avec Mathieu Morrison qui va se mesurer avec. Siegfried Gardner d'Autriche et ainsi de suite. Alors, on va y aller par paire. Vous allez voir deux courants descendre en même temps. Par contre, détrompez-vous en période de qualification. On essaie de battre son propre temps, donc d'avoir le meilleur temps possible afin de bien se positionner pour les finales du matin qui débuteront à 1h30. Well, let's be real clear about this. During the qualification run, all those two racers are coming down on the course together. They are not racing each other. They're only racing their individual time to set their combined time up to become, one of the top 15 racers after two runs. So remember, it's with all the athletes, but in the qualification, they're not racing each other. That's the clock. Fans, you guys look ready. Let me hear a time for that. You guys ready to get going? Vous êtes braves, vous êtes forts, il y en a qui sont là depuis un bon moment, mais là, heureusement, les estrades sont pratiquement pleines pour le début des qualifications. Alors, une fois que l'on vous souhaite la bienvenue ici à Cypress Mountain. Well, once again, Brad Jay here, Philip Joyal, and of course, Kevin Delaney. We're in the booth calling the shots for you as we take our attention up to the top. Merci. Attention!
Rapid whirl, both in the half shuttle pieces. This is a pretty common break for alpine snowboarders. They break right at the place where the bindings are mounted. So much pressure going into that section. More unable to flex where the binding bands are. It's just too loud. He actually owns his own snowboard company, SD Snowboard. So he has to do that. Now, Andre's problem is
Good. Thank you.
shot qui a fixé le deuxième meilleur temps jusqu'à maintenant. Mais on échangera le plan de parcours pour la prochaine personne. Pour les finales, une fois plus, je rappelle le format est un tête-à-tête. Alors, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que vous attendez, où l'action va se passer pendant qu'on prend son combat de partout. Hey, you guys out there, everything good? Tout ce qu'on voit vraiment, c'est des sourires, tout le monde sent le joyau d'encourage. On peut voir les pancartes, le Mathieu, les couleurs de tous les pays qui sont rassemblés ensemble aux États-Unis, Canada, tout le monde est là à travers le monde. Alors c'est bien de savoir. Et the temperature, it doesn't look to affect them that much, right? No, they are having 20 seconds, 20 seconds. 30 seconds. After 10 seconds. Who claimed 10 seconds? Start stop. How long start stop? Well, that's about half hour then. Did we get a lunch up? So, now? Okay, then I'm coming out. I'm stepping out. We have the full interval. That's questions to you. Are we going or not? Great Russian racers yesterday in the ladies' event. Some really exciting rides going down there. Some come from behind victories. Okay, start the seconds. No. Seconds. No. That's not fair. Not enough. We got time, Tyler. You're good, buddy. Yep. Back to now.
Attention!
faire la descente de la qualification. Vous allez voir le chef qui a décidé de garder. Marcel, the section that you have to let me know. So stay close, look at the course, pay attention, please. You have to let me know when there is a course completed. Va bene, va bene. Thank you.
Commoner on the blue course, Simon Schock, second behind him on the blue, but our top two racers on the red is going to be Mathieu Morrison from Canada and Sylvain Dufour from France. Once again, we are just going to roll right through this and get right into our second runs, and it's time that we really get the crowd behind these guys. This is the make or break moment for 14 of these riders. 16 will advance. 14, this is their last run for their Olympic Games. Let's give a warm, big crowd welcome every time these guys are in the game. Alors, on va aller voir un peu le tessayant de cette première descente en ronde de qualification. Et oui, on veut vous entendre, mon cher spectateur, qui appuie nos athlètes depuis ce matin très tôt. Et voilà, si vous suivez à l'écran. Thank you.
sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais ici, on est en train de bouger au centre de foule avec les supporters de l'équipe de Fuji du Japon. Tout le monde est là devant complètement fou. Et puis, j'en ai pour se mettre un bon bout ici en changeant pour en viser ensemble. Best problem yet, for sure, out here in Vancouver 2010. Looking at the winter games here. The parallel giant slalom Thank you.
Why the fuck? Okay, 30 seconds to go. All right. Right, cross ready! Two cross ready! Attention!
time that leash beats the fast time that they so far. Par contre, il semble tenir le coup dans cette séance de qualification. Salutations à tout le monde et j'en profiterai pour saluer mes amis
Michel Tardac en haut et Benoît Ouellet, c'est les gars, si vous m'entendez, je ne sais pas si vous, vous êtes capable de voir quelque chose sur le parcours, mais ce n'est pas évident pour vos athlètes, pour vos spectateurs non plus. Non seulement que les conditions sont humides, mais la visibilité qui n'est vraiment pas évidente. Et peut-être que ça va jouer en faveur de Jasey Anderson. Je me suis en championnat du monde en 2005 à Worcester. Il y avait eu de la pluie, mais à un autre niveau. Et Anderson qui avait remporté le slalom et le géant, donc tout le championnat du monde en 2005 dans des conditions. Thank you.
place. And let's put your hands together. Jasey's getting still going after. Italy, Germany, and USA round up the top four. Allora, le sembra la tensione, se riesce a arrivare a Reims, allora se per loro è pas loin, mais toujours en avant. Je vous rappelle que ces temps sont vraiment importants. Alors, on va déterminer l'ordre de départ pour les 16 finalistes qui seront dans le final. Alors, le premier temps ira contre le pire temps, donc la 16e place, 2 contre le 15, 3 contre le 14, et ainsi de suite. Alors, ceux qui auront une meilleure descente, une meilleure qualification seront définitivement avantagés. Times hovering around 121 are going to be the cutoff times, and there's a few athletes behind that already. Alors voilà, on est de départ, on est de retour au départ, pardon. Alors, j'ai fait une gaffe en fin de parcours.
buddy. Push all the way, Tyler, all the way to the finish. Thank you.
out there today. You guys like what you see out there? Outstanding first run action. The last condition is deteriorating. Andreas Probender, our top qualifier, in second. Coming in hot and heavy, I'll tell you what. Mathieu Morrison, our top qualifier. Let's just give it back to the fan love out there. You guys are all in our energy. Please put your hands together for our very special guest, Team Canada.